mois d'être installé, si plus personne ne parle, on va commencer. Je vais laisser la place à Lionel. On va se lever pour lire un premier passage dans la parole de Dieu et ensuite nous allons commencer à chanter ensemble. Psaume 108. Mon cœur est affermi, ô Dieu. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments, c'est ma gloire. Réveillez-vous, mon luth et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, éternels. Je te chanterai parmi les nations. Car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité jusqu'aux nues. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, et que ta gloire soit sur toute la terre. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sors par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Succot. À moi Galad, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Édom. Je pousse des cris de joie sur le pays des Philistins. Qui me mènera dans la ville forte? Qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Bien, merci Lionel. Alors, c'est debout pour chanter un premier cantique, Combattre des mains. Combat les mains, car tout est humain.
céleste, comme nous venons de le chanter, tu es le Dieu qui règne en tout lieu, tu règnes ici-bas, dans l'univers, dans nos vies et dans ta maison ici, dans ton église. Et nous voulons te remercier d'être notre Dieu, de nous avoir sauvés par ton Fils Jésus-Christ. Je veux te demander, Seigneur, de bénir chaque personne ici présente. Merci de nous avoir réunis. Merci de nous disposer favorablement, Seigneur, que ce soit pour les chants ou pour l'enseignement, la réception de ta parole. Que tu parles dans nos vies, dans nos cœurs aujourd'hui, et que tout soit fait pour ta gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Bien, peut prendre place. Nous allons poursuivre avec un autre cantique. Je ne sais pas si vous avez vos livres. C'est le numéro 263. On va le chanter deux fois, ce cantique, le 263.
se lever pour chanter ces cantiques, le numéro 272, comme un fleuve immense. Ensemble, et je vous dis ça, c'est un peu une introduction
au prochain chant que nous allons chanter, qui nous dit « Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Je ne suis jamais tout seul. » C'est le numéro 254 dans vos livres. Et Paul s'adresse à eux et ils disent
Car pour moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain, et en rendu grâce, il le rompit et dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et un peu plus loin, il dit que chacun donc s'éprouve soi-même qu'il mange ainsi de ce pain et boive de cette coupe, car celui qui en mange et qui en boit indignement mange et boit sa condamnation, ne discernant point le corps du Seigneur. Prenons le pain ensemble. Le Seigneur, nous voulons te remercier parce que ce matin, ici dans ta maison, nous avons la possibilité de nous souvenir une fois de plus de ce sacrifice que tu nous as donné. Merci d'avoir donné ta vie sur la croix pour nous, pour avoir pris nos péchés, pour avoir fait de nous les enfants de Dieu, pour nous avoir fait de nous de nouvelles créatures. Nous voulons te dire merci du fond du cœur pour tout ce que tu fais pour nous, pour ton salut, pour ton amour. Saint ton nom, nous te prions. Amen. On va passer à dire. Paul continue et dit, de même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà. Cette coupe ne va pas transformer votre vie. Elle ne va pas transformer votre corps, c'est simplement pour nous souvenir du sang précieux de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix pour nous. Et en Hébreu 9, 27, nous pouvons lire que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Donc, si le sang de Christ n'avait pas coulé sur la croix, je ne sais pas où nous serions aujourd'hui. Nous serions toujours condamnés par le juste jugement de Dieu, à cause de nos péchés, à cause de nos fautes, mais pouvoir prendre cette coupe, c'est dire, oui, le sang de Christ a coulé pour moi, et je sais que je suis purifié de mes péchés. Prenons la coupe ensemble. Voyez, Seigneur, nous voulons te remercier pour cette coupe, qui nous rappelle que c'est ton sang précieux qui a coulé sur la croix pour nous. Et c'est par ce sang que nous sommes purifiés, lavés de nos péchés, de nos iniquités. Merci parce que nous sommes appelés maintenant tes enfants, nous sommes héritiers et co-héritiers avec toi de ce royaume qui nous attend. Merci pour ton amour, ta patience envers nous et tout ce que tu fais pour nous jour après jour. Saint ton nom, nous te prions. Amen. Amen. Obscur, qu'à peine une lueur m'éclaire et me rassure, je regarde au Sauveur. Thank you.
libre place. Voilà, et maintenant, avant de chanter le dernier cantique, on va recevoir les offrandes. Je vais demander à Raph si tu veux. Oui, il me dit Raph, s'il te plaît. Nous allons prier. Père Céleste, merci encore parce que nous pouvons nous rapprocher de toi une fois de plus par la prière, mais également par ces offrandes, ces dîmes que nous voulons te rendre. Nous voulons reconnaître à travers elles que, effectivement, tu n'en as pas besoin. Tu n'as pas besoin parce que tout appartient, toutes tes richesses, tout ce monde t'appartient, ainsi que nous. Nous voulons reconnaître que c'est toi qui nous donne ce que nous avons, qui nous permet de l'avoir, de le posséder. Nous voulons te rendre bien une partie pour que cette partie puisse servir à l'avancement de ta parole, servir au salut de ceux qui pourront recevoir des livres ou autre chose en littérature. Merci de bénir les personnes qui donnent. Merci de bénir ces offrandes. Et sans ton nom, nous te prions. Amen. Amen. Chanter deux fois ce cantique, on va se lever une dernière fois. Jésus, nous te couronnons. Chantons ensemble ce cantique. Ça va? Le petit déjeuner ne vous pèse pas trop? Okay. Si je vois que vous partez comme ça, ça démarre. Ou je vous appelle carrément. Job, à votre avis, nous avons eu combien de prédications sur les 42 chapitres de Job? Ne me dites pas beaucoup. Combien de dimanches avons-nous passé sur l'étude du livre de Job? Une vingtaine, j'entends par là, pas très loin, un peu moins de 24, 16, c'est le 16e dimanche, en fait 4 mois, 4 fois 4, 16, 4 mois,
pour étudier le livre de Job. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Dieu voulant, quand on va commencer les études, dimanche matin, je vais vous faire passer des petits questionnaires sur Job. Et vous pourrez regarder pour vous. Hein, comme ça, vous pourrez marquer ce que peut-être le Seigneur vous a enseigné. Après l'étude du livre de Job, peut-être qu'après l'étude du livre de Job, vous dites, ben, maintenant je comprends, ou maintenant j'accepte. Voilà, on a toujours besoin de revoir en arrière un petit peu où on en est par rapport à aujourd'hui, où on en est par rapport à hier, à avant-hier, et comment on avance dans sa vie chrétienne, et bien sûr avec le Seigneur. On va prier avant de commencer cette conclusion du livre de Job, pourquoi la souffrance. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que ce matin tu nous permets de finir l'étude de ce livre de Job qui nous enseigne tellement de choses. Et c'est peut-être pas par hasard si ce livre a été le premier livre écrit de la Bible. En tout cas, merci de nous enseigner toutes ces leçons que Job a pu apprendre, que nous pouvons prendre pour nous-mêmes. Merci de parler encore dans nos vies, dans nos cœurs ce matin. Et merci d'être avec chaque personne ici présente, Seigneur. Et sans ton nom, nous te prions. Amen. Vous savez que c'était le premier livre écrit de la Bible, Job ? Non. Écrit par qui ? J'entends pour oui. Moïse. Par Moïse. Exactement, premier livre écrit de la Bible. Donc nous avons étudié 42 chapitres, nous avons terminé avec la question donc, suivante que je vous ai donnée, pourquoi la souffrance ? On pourrait dire, qui aime les épreuves ? Parce que des fois je vais utiliser le terme de souffrance, des fois difficulté, des fois épreuve. Parce que peut-être que mon épreuve sera pour vous une souffrance ou ma souffrance sera pour vous une épreuve. Après, tout dépend le degré de foi, notre confiance en Dieu. Donc ce que moi je vais pouvoir vivre pour vous, ça va être beaucoup plus simple que pour moi, ou ça va être beaucoup plus compliqué pour vous que pour moi. Donc c'est ça qui est intéressant avec le livre de Job, c'est que Dieu parle dans nos cœurs, et c'est pour cela qu'il est bien de voir un peu tout ce que Job avait, tout ce qu'il a perdu et tout ce qu'il a retrouvé, et de répondre à la question, pourquoi donc la souffrance ? En tout cas, ce que nous pouvons dire, c'est qu'on ne comprend pas toujours pourquoi elle est présente dans nos vies. Les difficultés, les épreuves, la souffrance. Parce que si nous sommes normalement bien constitués, personne n'aime souffrir. Ceux qui aiment souffrir, on les appelle comment, Jean ? Masochistes. Masochistes. Ok ? Je ne pense pas que vous soyez comme ça, en tout cas pas moi. Et donc, en principe, on n'aime pas les épreuves, on n'aime pas les difficultés, on n'aime pas la souffrance. Alors, c'est vrai que quand on parle de souffrance, ce qui peut nous venir à l'esprit, premièrement, ça peut être souffrance physique, la maladie, parce que je souffre d'un cancer, d'une autre maladie. Les difficultés, j'ai du mal, la difficulté, ben, je parle comme chacun pourrait l'interpréter. Les difficultés, c'est financièrement, par exemple. Les épreuves, c'est avoir des moments difficiles avec les parents, les grands-parents, les enfants ou les voisins ou les collègues de travail. Hein? Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que quand j'emploie le terme souffrance, vous allez certainement imaginer quelque chose dans votre esprit. Si j'utilise le terme épreuve, vous allez penser à autre chose. Si j'utilise le terme difficulté, vous allez penser à autre chose. Donc parfois je prendrai un des trois dans la prédication. En tout cas, si on ne sait pas pourquoi elle est présente, comme nous l'avons dit durant l'étude de Job, Dieu n'a pas l'obligation de nous dire pourquoi. Est-ce qu'il peut nous le dire ? La réponse était oui. Est-ce qu'il est obligé de nous le dire ? La réponse était non, parce que Dieu fait ce qu'il veut. La seule chose qu'il nous demande, c'est de lui faire confiance. Et je suis conscient que garder une confiance en Dieu quand vous avez l'impression que tout s'écroule autour de vous, c'est très compliqué. Mais c'est là qu'on voit où on en est dans notre foi, dans notre confiance avec Dieu. Dans tous les cas, j'aimerais que nous puissions garder à l'esprit ce passage que vous connaissez bien, de Romains 8, 28, qui nous dit que
Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors, si Dieu n'est pas dans l'obligation d'expliquer ses plans concernant les épreuves, les difficultés que nous pouvons connaître, que nous avons connues ou que nous allons connaître, la Bible, quant à elle, nous donne quand même certaines raisons à nos épreuves, nos difficultés ou la souffrance. Rappelez-vous, pour faire juste un petit retour, 15 semaines en arrière. Job dira à sa femme, comme on l'a dit la semaine dernière, Dieu nous donne le mal, ne nous en dit pas non plus. Dieu nous donne le bien, ne pourrait-il pas nous donner le mal également? Ok? Dieu a permis les choses. D'accord? Ce que je veux dire par là, c'est que Dieu, parfois, va nous placer dans l'épreuve, dans la difficulté. Et parfois, on s'y place tout seul. Le premier point, c'est que nous souffrons, nous sommes dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la souffrance, parce que déjà, premièrement, nous sommes pécheurs, et que nous vivons dans un monde de péché et de pécheurs. On va regarder quelques passages. Romains, passage que vous connaissez bien, Romains chapitre 5, verset 12. Romains chapitre 5, verset 12. Paul nous dit, c'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. On va aller un peu plus loin. Chapitre 8, toujours de Romains. Romains chapitre 8, versets 22 et 23. Paul là nous dit, car nous savons que jusqu'à présent, c'était à l'époque de Paul, c'est encore là pour nous aujourd'hui, toute la création soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et non seulement elle, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. À cause du péché, c'est nous, mais c'est aussi toute la création qui souffre. Et si on revient un petit peu en arrière, Paul dit encore en Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Avant que le péché ne soit présent dans le monde, tout allait bien. Dès l'instant où Adam a péché, rien n'était pareil. C'est pour cela que Paul dira, comme on l'a lu, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Et parce que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. En fait, ce que nous pouvons dire également, c'est que le péché a complètement changé nos vies. À cause de lui, tout le monde connaît la maladie, la souffrance, les épreuves et à un moment ou à un autre, la mort. C'est donc dans ce monde que nous sommes appelés à vivre jour après jour jusqu'au retour de Jésus-Christ. Donc, pourquoi la souffrance? Parce que nous sommes pécheurs et que nous vivons dans un monde de péché. Ça m'amène au deuxième point. Pourquoi la souffrance? Eh bien, parce que parfois nous souffrons parce que nous en sommes responsables. Je suis en train de penser à quelque chose, vous savez, à l'hôpital, quand je vais faire un dépannage, parfois, il y a quelque chose qui manque, quelque chose qui est cassé. Et il doit certainement y avoir une personne à l'hôpital qui s'appelle « c'est pas moi ». Parce qu'à chaque fois que je pose la question « comment ça s'est passé ?»« c'est pas moi ». »« Je ne sais pas, c'est pas moi ». Donc il y a quelqu'un qui doit s'appeler « pas moi » plutôt. Hein? C'est « jamais moi ». C'est jamais de ma faute. C'est cassé, je l'ai touché, mais c'est pas moi. Un peu comme les enfants. C'est pas moi. Il a la main sur l'objet cassé, c'est pas moi.
Dans le cas de Job, et comme je l'avais dit durant la semaine dernière, durant les autres semaines, c'est à cause de sa conduite irréprochable et non pas malgré sa conduite qu'il a connu l'adversité. Rappelez-vous tout au début, quand Dieu pose la question à Satan, est-ce que tu as remarqué, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Et Satan lui dit, oui, mais on sait très bien qu'il te respecte, il te craint, il t'écoute parce que tu lui donnes tout ce qu'il veut, tout ce qu'il a besoin. En ce qui nous concerne, nous sommes parfois responsables de nos épreuves, de nos souffrances, car elles sont le résultat de mauvaises décisions qu'on a pu prendre dans le passé. Peut-être parce qu'on n'a pas voulu écouter les conseils de nos proches. Je fais une parenthèse, je rappelle les amis de Job, ils ont donné aussi beaucoup de conseils. Je referme la parenthèse. Peut-être qu'on n'a pas voulu écouter donc les conseils de nos proches, ou tout simplement parce que nous connaissons la volonté de Dieu, mais on ne veut pas se plier à la volonté de Dieu. Et si le salut est aussi simple que crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, ce que je viens de vous dire, c'est exactement la même chose. Quand on connaît la volonté de Dieu, la volonté révélée de Dieu, ce que nous pouvons lire ici, et qu'on ne la met pas en pratique, ne soyons pas surpris de passer des moments difficiles, compliqués. Et si on est encore un peu tordu, on dira, mais Seigneur, tu ne fais rien pour moi. Et peut-être que lui nous dit, si tu commençais déjà toi à faire ce que tu dois faire, on ne va pas inverser les rôles. À partir du moment où on connaît la volonté de Dieu et qu'on ne la fait pas, ne soyons pas étonnés ou surpris de ce qui peut éventuellement arriver après. Dans ces différents cas, que ce soit Job ou nous, Dieu n'est pas l'auteur de nos épreuves comme ça peut être le cas pour Job. Nous sommes responsables de nos choix et de notre manière de vivre avec les autres et encore plus avec Dieu. Si vous savez exactement ce que Dieu attend de vous et que vous ne le faites pas, vous êtes responsable de ce qui peut arriver après. Et j'irai même plus loin. Ce qui peut vous arriver à vous, ce qui peut arriver à d'autres personnes. Parce que le péché, ça ne touche pas que nous, par exemple. Si moi je vais voler quelque chose à quelqu'un, je vais dire, c'est que moi, ça ne touche que moi. Non, ça touche aussi la personne à qui j'ai enlevé la chose qui lui appartenait. Le péché touche beaucoup plus souvent du monde autour de nous, plus que ce qu'on peut penser. Troisième point. Parfois, pas toujours, mais parfois, Dieu utilise la souffrance, les épreuves, les difficultés pour nous corriger. Alors on va regarder un passage en Hébreu, chapitre 12. Hébreux chapitre 12, et à partir du verset 4, Hébreux chapitre 12, verset 4. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que celui qui a écrit cette épître-là, au verset 4, il dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. » Qu'est-ce qu'il est en train de nous dire là? Il est en train de nous dire que parfois, nous les chrétiens, nous allons aller combattre l'épreuve. La tentation, pardon. La tentation, l'épreuve et la tentation, c'est deux choses différentes. On va se battre contre la tentation, contre le péché, pour reprendre le bon terme qu'on a dans la parole de Dieu. Mais quand c'est trop compliqué, ou parfois quand ça nous arrange, on va baisser les bras. Qu'est-ce qu'il est en train de dire, là, celui qui a écrit la lettre? Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. J'essaie. Si j'arrive à résister à la tentation, c'est très bien. Si j'arrive pas, ben tant pis. Ça, c'est souvent, c'est nous. Quand vous pensez au Seigneur Jésus-Christ dans le jardin, juste avant qu'il soit arrêté, quand il priait,
Est-ce qu'il vous est déjà arrivé, est-ce qu'il nous est déjà arrivé que lorsque nous avons prié avec tellement d'intensité, on a transpiré des gouttes de sang? Vous êtes déjà arrivé? Non plus. Au Seigneur, oui. Là, on lit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang contre le péché. Parce que parfois, il faut dire des choses. Alors des fois, on veut s'en sortir tout seul. Le Seigneur nous envoie de l'aide, nous dit des choses, mais non, ça va, je vais y arriver tout seul. Merci, mais je vais me débrouiller seul. Hein? Et puis, on tombe dans la tentation parce que le tentateur est plus fort que nous. Mais des fois, ça nous arrange de ne pas résister, pour des raisons ou pour d'autres. On continue avec le verset 5, Hébreux 12. Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perd point courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de ses verges tout fils qu'il reconnaît. Si vous souffrez le châtiment, Dieu se présente à vous comme à des fils, car quel est le fils que son père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont peur, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et nous les avons respectés. Ne serons-nous pas beaucoup plus soumis au Père des esprits pour avoir la vie? Car nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre avantage, afin que nous participions à la sainteté. Il est vrai que tout châtiment ne paraît pas sur le moment un sujet de joie, mais de tristesse. Souvent. Mais ensuite, il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui ont été ainsi exercés. Verset 12. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et faites à vos pieds un chemin droit, afin que ceux qui clochent ne se dévoient pas, mais plutôt qu'ils soient guéris. On commence en lisant « Résistez, faites tout ce que vous pouvez jusqu'au sang. » Au verset 11, il est vrai que tout châtiment ne paraît pas sur le moment un sujet de joie. C'est compliqué de rentrer dans une épreuve, une difficulté, une souffrance et prendre ça comme un sujet de joie. C'est très compliqué. Mais ensuite, il produit un fruit paisible de justice pour ceux qui sont ainsi exercés. Gardons bien une chose à l'esprit, je l'avais dit il y a quelques semaines. Dieu nous aime, pas Satan. Dieu nous aime. Lamentations chapitre 3, versets 31 et 33. Lamentations chapitre 3. Lamentations 3, verset 31, qui dit « Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais il afflige, il a aussi compassion selon la grandeur de sa miséricorde, car ce n'est pas volonté qu'il afflige et contriste les fils des hommes. » Le Seigneur ne rejette pas toujours, mais il afflige, il a aussi compassion selon la grandeur de sa miséricorde. Si nous sommes obéissants à la parole de Dieu et à sa volonté, alors on ne doit pas voir l'épreuve comme un châtiment de Dieu. Par contre, je répète ce que j'aime dire, pour que ce soit bien clair. Si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, à sa volonté, ça ne va pas nous empêcher d'avoir l'épreuve. Regardez Job. Mais si on est droit, intègre, craignant Dieu comme Job, et si l'épreuve arrive, il ne faut pas voir l'épreuve, la souffrance, la difficulté comme un châtiment de Dieu. Par contre, si nous nous éloignons de lui, alors ne soyons pas surpris si l'épreuve arrive. Et Dieu peut utiliser les épreuves parfois difficiles pour revenir à lui parce qu'il nous aime. À nous alors de discerner si les épreuves sont un châtiment de Dieu ou pas. Et pour répondre à cette question,
Est-ce que je fais ce que Dieu attend de moi? Est-ce que je suis là où Dieu veut que je sois? Quelle est ma vie, mon témoignage auprès des autres? Quatrième point. Pourquoi la souffrance? La souffrance augmente notre foi. Jacques, chapitre 1. Un passage que vous connaissez également. Jacques, chapitre 1. Chapitre 1, versets 2 à 4. Frères, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais la patience est une efficacité parfaite afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien. Qu'est-ce qu'il dit Jacques là? Frères, regardez comme un sujet d'une parfaite joie les diverses épreuves qui vous arrivent. Qu'est-ce que nous lisons verset 12, Jacques chapitre 1. Heureux est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Rappelez-vous de Job, tout ce qu'il avait, tout ce qu'il a perdu et tout ce qu'il a retrouvé. À quel moment il en a eu le plus? Avant les épreuves ou après les épreuves? Après. Et là, Jacques dit, heureux est l'homme qui endure la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Nous avons ici une très bonne raison à nos épreuves. Parce qu'en règle générale, nous apprenons toujours plus de nos chutes. Elles nous permettent de mieux repartir, de mieux rebondir. Les épreuves et les difficultés devraient donc nous aider à regarder toujours plus vers celui qui conduit toutes choses ici-bas. Alors je pose une question. Qui pense que Dieu dirige toutes choses ici-bas? Et quand je dis toutes choses, c'est ma vie. Qui le pense, hein? Ok, la majorité, tout le monde. La majorité, c'est tout le monde. Est-ce que nous pourrons dire, est-ce que nous avons déjà dit, comme Job, qu'il m'éprouve, j'en sortirai comme l'or? Est-ce que même on oserait dire, mais que Dieu m'éprouve à partir de maintenant, à partir de demain, et je vais en sortir comme l'or. C'est-à-dire, est-ce que notre tête est capable de dire, Dieu peut m'éprouver, je serai fort. Mais est-ce que notre cœur ne nous dit pas, ne va pas tenter Dieu? Et s'il s'occupe de toi, tu risques de le regretter. Job, en tout cas, a dit qu'il m'éprouve, j'en sortirai comme l'or. Donc il y a deux manières de voir la chose. Pourquoi? La première, c'est quand on veut, on trouve de l'or. Quand on veut le nettoyer, le purifier, on peut passer par le feu pour ne garder que l'or. Si nous sommes une pépite d'or aux yeux de Dieu, et bien parfois il va devoir nous faire passer par l'épreuve, par le feu, pour nous rendre encore plus riches, pour enlever tout ce qui est impureté, tout ce qui n'est pas bon dans notre vie. Job, il dit qu'il m'éprouve, j'en sortirai comme l'or, nettoyé, lavé, purifié. Gardons à l'esprit que les épreuves et même les souffrances sont un don de Dieu pour notre édification, comme le dit Job. Frère, regardez comme le sujet d'une parfaite joie les diverses tentations qui vous arrivent, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, que la patience est une efficacité parfaite
afin que vous soyez parfaits et accomplis, ne manquant de rien, et pour que dans l'épreuve, je puisse dire, Dieu a donné, Dieu a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Cinquième point. On a chanté un cantique. Je ne sais pas si c'est le préféré de ma femme, mais je sais que ma femme aime beaucoup ce cantique. Te ressembler Jésus. Vous vous souvenez des paroles? Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême, penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus, c'est mon espoir suprême, par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Là, ce sont les paroles que nous avons chantées deux fois, on a chanté ce cantique. Je vous dis ça parce que le cinquième point, c'est que la souffrance nous rapproche de Jésus-Christ. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, versets 9 et 10. Dans Ephésiens, j'étais en train de me dire, je n'ai pas donné la bonne référence. C'est Philippiens, c'est moi qui suis trompé. Donc Philippiens, chapitre 3, versets 9 et 10. Et qu'est-ce qu'il nous dit Paul? Que je sois trouvé en lui, en Jésus-Christ, ayant non point ma justice, celle qui vient de la loi, mais celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice de Dieu par la foi. Verset 10. Afin que je connaisse Christ et l'efficace de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême. Si notre désir est de ressembler toujours plus à Jésus-Christ, alors que ce soit également dans les difficultés que nous pouvons connaître, traverser, recevoir de la part de Dieu. Afin que je connaisse Christ, l'efficace de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. C'est vrai qu'on a envie de ressembler à Jésus dans notre témoignage, en tout cas c'est ce que je vous souhaite. On a envie de ressembler au Seigneur Jésus-Christ dans la relation qu'il avait avec son Père. Nous devrions chercher à avoir la même relation. Mais nous devons aussi lui ressembler dans la difficulté, dans les épreuves, dans la souffrance. Et qu'est-ce qu'il faisait quand il était dans des moments comme ça? Il restait dans son coin, à pleurer, à bout de nez, énervé. Qu'est-ce qu'il faisait? Je crois entendre quelqu'un parler. Il priait. Il priait. Ça paraît tellement logique. Mais est-ce qu'on le fait, nous? Ça paraît tellement logique, mais il priait, bien sûr. Parce que Dieu lui répondait, Dieu était à l'écoute, il y avait une vraie relation entre lui et Dieu le Père. Il y avait une vraie relation, c'est-à-dire quoi? Moi, je n'ai pas une vraie relation avec Dieu. Est-ce qu'on a une vraie relation avec Dieu ou est-ce qu'on est juste à l'église? Elle est comment notre relation avec Dieu? Est-ce que quand la difficulté est là, on se renferme comme une huître ou est-ce qu'on s'ouvre encore plus à Dieu en lui demandant secours? La souffrance nous permet de ressembler à Jésus-Christ. Sixième et dernier point, pas le moindre. Dieu utilise notre souffrance pour parler aux autres. 2 Corinthiens, chapitre 1. 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 7. 2 Corinthiens,
chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes nous-mêmes consolés de Dieu, nous puissions consoler tous ceux qui sont dans quelque affliction, car comme les souffrances de Christ abondent en nous, ainsi notre consolation abonde par Christ. Et soit que nous soyons affligés, c'est pour votre consolation et votre salut qui s'opère dans la patience avec laquelle vous endurez les mêmes maux que nous souffrons aussi. Soit que nous soyons consolés, c'est pour votre consolation et votre salut. Verset 7, et l'espérance que nous avons de vous est ferme, sachant que comme vous avez part aux souffrances, vous aurez part aussi à la consolation. Quelle est la meilleure personne qui peut aider quelqu'un qui traverse, par exemple, un cancer? Ben, c'est peut-être quelqu'un qui est sorti d'un cancer. En regardant à Dieu. Parce que Dieu l'a guéri. Dieu merci, pour l'instant, Dieu nous a préservé du cancer. J'aurais moins de bagages pour aider quelqu'un qui traverse une maladie comme ça. Bien sûr, je peux lui parler de ce que Dieu peut faire. Mais si je n'ai pas traversé ça, je ne peux pas comprendre complètement à 100% la personne. Job, quand il a perdu ses enfants, si dans le reste de sa vie, il a rencontré quelqu'un qui a perdu ses enfants, il aura pu aider cette personne. Dieu utilise notre souffrance pour parler aux autres. Alors, si les amis de Job ne pouvaient pas l'aider, c'est que très certainement, ils n'étaient jamais passés par les mêmes souffrances que Job. Cela peut être la même chose en ce qui nous concerne. Si nous ne sommes jamais passés par les épreuves, alors nous aurons beaucoup de mal à aider ceux qui s'y trouvent. En fait, nous ressemblerons aux amis de Job qui vont parler pour ne rien dire. Juste pour dire, ben, nous on sait. En fait, ils ne savent rien du tout. Par contre, si nous sommes passés par les épreuves, il est certain que non seulement nous grandirons dans notre foi, comme on l'a vu, mais nous pourrons aider aussi ceux qui souffrent et qui ne comprennent pas toujours le pourquoi des souffrances et des épreuves. Nous pourrons réellement dire, oui, je comprends ce que tu vis et je voudrais te parler de celui qui m'a soutenu, de celui qui m'a aidé, de celui qui m'a tenu la main quand moi aussi je suis passé par la même difficulté et épreuve que toi. Et celui-ci, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi on en revient au premier passage que nous avons lu ce matin, que toutes choses sont pour le bien de ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Car en pensant au bien qui peut ressortir de nos épreuves, nous pourrons louer Dieu pour tout ce qu'il fait dans nos vies et nous pourrons continuer à nous confier en lui. Et j'ai bien dit, en pensant au bien qui peut ressortir de nos épreuves. Parce que comme on a pu le voir dans Jacques par exemple, ce n'est pas forcément avec une grande joie qu'on commence les épreuves. Mais il nous disait, regardez ça comme une joie, une parfaite joie, une grande joie. Parce que le Seigneur veut vous enseigner quelque chose. Le Seigneur veut vous parler. Peut-être pour t'expliquer quelque chose, que tu comprennes quelque chose, et peut-être plus tard pour aider l'autre personne. En tout cas, nous devons continuer. Quoi qu'il en... Mais quoi qu'il en coûte, nous devons continuer à nous confier en lui, toujours. Et alors nous pourrons dire, si un jour on peut le dire, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Et en tout cela, Job ne pécha pas et n'attribua rien de mauvais à Dieu. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous as conduits jusqu'à la fin de cette étude du livre de Job. Nous voulons te demander maintenant de nous aider à garder à l'esprit tout ce que tu as pu nous enseigner, à nous en souvenir lorsque l'épreuve sera là,
Et si peut-être aujourd'hui c'est le cas pour quelqu'un ici qui est dans les difficultés, dans la souffrance, dans les épreuves, alors je voudrais te demander, Seigneur, de parler dans son cœur, dans son âme, pour que cette personne puisse prendre conscience que c'est toi qui dirige toute chose, c'est toi qui es souverain, et que nous sommes la prunelle de tes yeux. Merci parce que c'est toi qui nous aimes, c'est toi qui prends soin de nous jour après jour. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent et ce que tu feras encore, aujourd'hui et demain. Et merci parce que nous avons cette ferme assurance que si nous sommes en Jésus-Christ, alors nous allons passer l'éternité avec toi, et alors à ce moment-là, il n'y aura plus de souffrance, plus de difficultés, plus d'épreuves, plus de tentations, plus de morts, plus de deuil. Merci parce que nous passerons l'éternité avec toi. Alors Seigneur, je veux te prier pour que ceux qui ne te connaissent pas encore personnellement comme Seigneur et Sauveur, que tu travailles dans leur vie, dans leur cœur, tu changes leur cœur de pierre en cœur de chair, afin qu'ils puissent croire et que tu veuilles les sauver pour ta gloire et en ton nom.